Good morning YouTube, comment ça va? Bienvenue dans cette petite vidéo sympatoche. On est entre nous, on est une bande de jeunes, on se fend la gueule. Et comme tu peux le voir, j'ai le t-shirt d'Oxbeen aujourd'hui parce que ça fait un moment que je présente les produits Oxbeen, mesdames et messieurs. Alors Oxbeen, alors bien sûr, ouais, j'ai mis sur le pull. Hein, faut pas exagérer non plus, il fait quand même frais en ce moment. Alors en ce moment, s'il faut que je te montre, parce que ils ont des lampes. Ça fait franchement 2 ans que je travaille avec eux. Je sais pas pour ceux qui ont suivi, j'avais mis des grandes rampes de lumière sur le Ferrydust, sur l'ancien camping-car. Et c'est des lampes de folie. Donc c'est du matériel américain. Je vais vous mettre un lien dans la description. La description, c'est sous la vidéo, vous regardez. Je sais pas si j'aurai des réductions, mais je vais vous mettre le lien en tout cas. Allez voir, allez checker ça, on va voir. Alors ces petites lampes-là, ça envoie... Il y a de quoi faire bronzer ta belle-mère, tu vois, c'est tellement puissant, tu vois. Alors, le truc, c'est que on a une valeur en Kelvin, et j'ai pas réussi à trouver pour l'instant la puissance, si tu veux, en lumens. Alors, la puissance en lumens, je t'invite à aller voir un petit peu sur leur site, parce que là, j'ai eu des petits soucis d'internet, et j'ai pas pu aller regarder ça, donc du coup, je t'invite à aller regarder. Là, on a différentes lampes. Alors, par exemple, ce paquet de 10 petites lampes. Hein, ces paquets de 10 petites lampes que tu vois là. Eh bien, en fait, je te montre, celles-ci, ce sont des blanches. Donc, 10 blanches. Mais j'ai demandé aussi des reds. Donc, des reds, tu vois. Sympa. Et puis, ça, c'est des blues. Donc, des bleus. Donc, tu vois, si tu veux t'ambiancer un peu dans ton camping-car ou dans ton véhicule, tu mets ça. Et du bleu, du rouge, du blanc, enfin c'est sympa. Et bon, ça reste quand même des consommations sympathiques. Je vois que ça consomme 5 watts. Dommage qu'ils n'ont pas mis la puissance en comment ça s'appelle en lumens. Mais bon, moi je peux vous dire que j'ai essayé. Ça envoie, elle est très fort, d'accord, très très fort. Bien évidemment que ça serait complètement stupide de vous en faire une démonstration. Parce que en fait, on ne le voit pas véritablement à l'écran. Alors je vais te montrer à quoi elle ressemble. Ah, j'ai pas pensé à faire ça, moi je me suis automatiquement équipé. Hop, parce que même si je t'en filme un, tu vas me dire, ah, mais on dirait pareil. En fait, ça, on le voit pas véritablement. Alors, je te fais un petit zoom sur la petite lampe. Voilà. Voilà, tu vois, donc c'est plein de petites LED tout autour à 360 et même en haut. Tu vois. Donc ça, ça envoie. Et puis, il y a tout un tas de attends, j'arrive pas à faire un toté. Il y a tout un tas de formes, véritablement, voilà. Il y a tout un tas de formes, de longueurs, beaucoup plus longues. Alors après, si c'est trop long, ça ne rentre pas. Il y a certains emplacements où tu ne vas pas t'en apercevoir. Si tu ne pourras pas le mettre, je veux dire. Donc voilà, à voir un petit peu ce que vous avez. Mais ça envoie très 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 fort aujourd'hui. Moi, je peux vous dire que c'est du bon matos. Et encore une fois, c'est américain. Donc ça envoie vraiment beaucoup. Alors ça, c'était la petite vidéo pour Oxbeen. Alors en plus, j'étais méga en retard sur cette vidéo parce que ben, j'ai eu pas mal de trucs à faire. Et puis notamment des petits soucis encore de santé hein, depuis un an comme tu le sais j'ai des petits problèmes pour ceux qui ont suivi j'ai eu des petits soucis donc automatiquement des fois je peux pas tout faire manger une cadence sur la chaîne j'arrive quand même à vous partager pas mal de trucs et puis il va y avoir des blogs il va y avoir des nouveautés en puissance de matos du matos très puissant je veux dire. Il va y avoir beaucoup de choses. Activez la cloche en mettant toutes parce que vous allez rater des merveilles. Donc, je vous assure, faites ça. Et puis, je remercie Oxbeen pour les petites lampes. Donc, c'est du très bon matos, mesdames et messieurs. C'est quelque chose que je vais te conseiller. Voilà. Alors, sinon, à part ça, ben, comme je t'ai dit, je vais te faire de nouvelles vidéos sympas. Et puis, il va se passer de nouvelles choses à Neverland. Je ne dis rien, c'est une surprise, c'est une surprise. Comme tu le sais, j'aime bien. Je suis obligé de mettre la moustiquaire encore actuellement, tu te rends compte? Parce qu'il y a des moustiques même en cette période. On se demande pourquoi, mesdames et messieurs. Je ne saurais pas vous dire quoi que ce soit. Je vous laisse sur la fin, sur mon petit ami, le bébé Yoda, qui va vous faire un petit bisou. Voilà, le petit Yoda, dont E.T. est très, très, mais très, très jaloux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu me trahis avec cette espèce de Yoda, mini Yoda. Tout le monde est à fond sur ces petits Yoda. Je suis complètement déçu, t'entends? Je suis complètement déçu, je vais quitter la chaîne Neverland, t'entends? La chaîne totalement, mesdames et messieurs, si vous me soutenez pas, vous ne verrez plus. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, au revoir tout le monde, je suis énervé! Eh ouais, mais toi, tu sais pas faire la force comme un Jedi, comme lui. Eh ouais, moi, je le trouve très mignon, en tout cas, avec ses petites oreilles. Il est vraiment trop, trop mignon. Oh. Qu'est-ce que vous en pensez ?
On le garde sur la chaîne, ce petit Yoda. Oh oui. C'est gros goût. Ouais. Et sur ce, je vous dis une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. À bientôt, mesdames et messieurs. Au revoir tout le monde. Au revoir, c'est parti.